Eh bien, bonsoir les filles. Bonsoir, bonsoir Valérie. Alors, bonne fête à tous les amoureux et bisous aux Bréatins. Alors, ce soir, je reçois encore quatre femmes géniales. Inès, du studio Mode et Beauté. Bonsoir. Sophie, de Dream Center. Bonsoir. Natacha Coeur, chanteuse. Bonsoir. Et Dominique Marin, d'Opaline Lingerie. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Alors, nous avons eu la chance de tourner lors du shooting de Créola chez Christiane Boutique pour le numéro de mars qui sera un spécial mariage, le reportage de Patrick sur un montage de Jorka. C'est tout de suite. Alors Sophie, on est dans le Saint des Saints, c'est-à-dire que là on va assister à un shooting Créola. Et ça, c'est rare parce que c'est le magazine des Antillaises. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu quel est le concept de Créola? Alors, Créola est le magazine féminin des Antilles-Guyane, supplément de France Antilles. Je rappelle qu'il sort une fois par mois avec le France Antilles, tous les premiers jeudis de chaque mois. Le concept, comme tout magazine féminin qui se respecte, c'est de parler des femmes, pour les femmes, pas que pour les femmes, parce qu'il semblerait que nous ayons également beaucoup de lecteurs masculins, ce qui est très très bien. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est une première, je crois, de mémoire pour un shooting filmé, en tout cas en Guadeloupe. Et j'en suis ravie. Merci Valérie. Alors, tu as une équipe, et ça c'est génial parce que c'est une équipe de femmes. Donc il y a Laurine. Alors, Laurine et Ève, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que vous faites dans cette équipe? Ben bonjour, bonjour Valérie, merci. Ben écoute, moi au sein de l'équipe, je suis la maquilleuse, donc là pour les reportages, les pages mode et aussi les petites rubriques maquillage conseil. Voilà, donc je représente la marque Black Colors et également l'Institut Studio Strass. Et toi Ève? Oui, bonjour Valérie, donc moi je suis photographe, donc je travaille sur les shootings Créola, sur les pages mode et beauté. Et je suis également photographe sur tout ce qui est photographe famille, événementiel, mariage. Voilà, donc là, on est en plein dans le thème. Super. Alors, ce que je voudrais aussi te poser un petit peu comme question, Sophie, c'est est-ce qu'il y a une mode antillaise? Est-ce qu'il y a vraiment un style antillais? Et est-ce que toi, quand tu fais les reportages, quand tu cherches avec toute l'équipe de Créola, de la rédaction de Créola, vous vous dites, tiens, ça, c'est vraiment antillais? Alors, une mode antillaise, elle existe. Certains créateurs la défendent et c'est très bien comme ça. Après, on est aussi dans un monde très contemporain. Les boutiques ne proposent pas que des créateurs antillais. C'est pas non. Bah oui, oui, mais c'est pas non plus à la portée de toutes les bourses. Donc, il faut aussi une mode au quotidien. Il faut une mode des vêtements qui soient aussi faciles à porter. Or, quand on a beaucoup de jupons sur soi, c'est pas le cas. Et la mode antillaise, enfin la tradition antillaise est dans ce sens-là. Cela dit, cette mode antillaise a quand même beaucoup évolué parce qu'on a des créateurs extrêmement riches. Et ils font de très très belles choses, c'est indéniable. Après, on est obligé de s'adapter à ce qui existe aussi, et puis pour toutes les bourses. Donc les pages de mode auxquelles toute l'équipe contribue font attention à cela aussi. On propose de tout pour tout le monde, et pas seulement pour le modèle qui est avec son 36-38. Il faut savoir que ça existe, voilà, pour plus grande, plus forte, plus ronde, et c'est vraiment une mode qui s'adresse à tout le monde. Alors, je vais poser exactement la même question. Laurine, est-ce qu'il y a un maquillage, des couleurs qui sont vraiment pour les Antilles, ou est-ce que vraiment maintenant le maquillage c'est international?
Alors c'est vrai que le maquillage de toute façon est très international puisque bon maintenant tout le monde a internet, donc on regarde beaucoup, tout le monde se documente énormément. Maintenant je vais te répondre aussi que oui, il y a des tendances antillaises. Pour preuve, j'ai créé quand même avec Marie-Cécile une marque de maquillage antillaise, donc vraiment avec des couleurs, toujours bon, très colorées. Il y a aussi pour tous les goûts, hein, donc pour celles qui aiment bien le maquillage naturel, on fait aussi. Mais la plupart du temps on nous demande des rouges à lèvres bien roses, bien fuchsia, bien rouge, bien orangé, des crayons de toutes les couleurs, du waterproof surtout, c'est ce que les clientes recherchent, du waterproof. Exactement, exactement. Donc la chaleur, l'humidité, donc c'est vraiment notre maître mot. Alors je vais te poser exactement la même question, hein, parce que toi tu es une photographe internationale, tu travailles aussi bien en métropole, en Guadeloupe, un peu partout. Est-ce que tu trouves qu'il y a un style de la femme antillaise, du mariage antillais par rapport à la métropole? Moi particulièrement non, je pense que chaque famille a sa vision du mariage. Après il y a tout type de mariage, il y a des mariages très plus traditionnels et plus, enfin chacun a son style, chacun a sa religion aussi, parce que ça aussi ça compte dans le mariage. Voilà, mais chacun y met de sa personnalité et chaque mariage est différent. Et le but pour moi, photographe, c'est vraiment de m'adapter à la personnalité du couple. Voilà, il n'y a pas vraiment de mode antillaise. Je crois que la photo, c'est très personnel avant tout. Alors Sophie, pourquoi avoir choisi ces deux femmes ? Alors, elles sont aujourd'hui deux présentes, mais il en manque une troisième qui participe au stylisme et qui s'appelle Lucie Réunif et qu'on salue au passage. Mais Lucie, comme Laurine et Ève, sont des professionnelles. Elles savent parfaitement gérer un modèle pour le maquillage pour Laurine, pour les poses. Ève a un don pour mettre les gens très à l'aise et ça, c'est remarquable. Laurine a le don qu'on lui connaît pour de sublimer. Et Lucie a le don de trouver les bonnes tenues aussi. Et les filles aussi. Et c'est pas rien. Voilà. Et Lucie a été un super mannequin. Ah oui, très 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 beau mannequin. Je la connaissais de métropole. Lucie est un super mannequin. D'ailleurs, elle est toujours super belle. C'est une très très belle femme, contre, effectivement. C'est que des belles femmes. Voilà, c'est très gentil. Mais oui, c'est merci super. Les filles. Et bravo les filles, on savait que vous aviez du talent de toute façon. God damn, I'm rich as fuck, drunk as hell, throwing money, pick it up, life is good, live it up. Alors Muriel, bonjour, tu es ici chez Christiane Boutique et tu vas nous expliquer, parce que c'est une nouvelle tendance, et tu fais ce qu'on appelle des marées-têtes. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors les marées-têtes, c'est attacher le foulard, quoi. C'est mettre en valeur une femme, une coiffure avec du tissu, entre autres. Donc tu l'as sorti à la robe de mariée, comment tu fais ça ? Parce que là tu as des tissus, tu vas nous expliquer un petit peu. Alors moi je travaille beaucoup au feeling et vraiment à l'instinct. Donc dès que je vois la robe de mariée, les couleurs, et aussi selon la mariée qui va porter la robe, j'essaie d'adapter la coiffe. Donc j'essaie de mélanger les matières, les couleurs, les tissus pour donner quelque chose de joli et qui sorte de l'ordinaire. Et tout à fait, c'est très très original. Alors c'est la pleine période là, c'est le début des mariages, puisque les mariages c'est juillet, août et décembre. Et alors quelles sont les couleurs qui sont utilisées en ce moment là pour les robes de mariée ? Bon, on reste dans les basiques, donc le blanc, les crus. Mais après, les mariés ont tendance à racheter des couleurs qui en jettent, donc le vernis, l'orange, le rouge. Donc après, moi, je m'adapte. Eh bien, superbe. Eh bien, merci. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J. Le bustier ici. Let's rage. I knew you were. You were gonna come to me. And here you are. But you better choose carefully. 'Cause I'm capable of anything, of anything and everything. Make me your Aphrodite. Make me your one and only. Don't make me your enemy. Your enemy. Your enemy. So you wanna play with magic?
going back. Alors, je suis toujours avec Inès du studio Mode et Beauté, Sophie de Dream Center, Natacha Coeur et Dominique. Alors, qu'est-ce que vous pensez du magazine Créola, les filles ? Ben, moi, j'aime beaucoup, hein, Créola. Beaucoup, ouais. Ben, oui, Créola, ça fait partie de notre quotidien, hein, du France Antilles, de toute façon, puisque c'est, je crois, une fois par mois. C'est ça, une fois par mois, tous les jeux, voilà, le premier jeudi du mois. Voilà, les premiers jeudis du mois, donc ça fait partie, voilà, ça... On est habitué à la voir, voilà. Ouais, c'est notre magazine. C'est Rendez-vous Filles, en fait. Ouais, ouais, c'est Rendez-vous Filles. Hein, on ne peut pas le louper. Bon, bah, Sophie va être contente et elles vont être contentes. Toi aussi, Natacha, tu aimes ? Oui, je l'aime beaucoup. Et est-ce que vous lisez d'autres magazines, les filles ? Après, oui, 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 ça c'est sûr. Magazine féminin. Ouais. Comme ça. Ouais. Oui, Nouvelle Semaine, j'aime bien. Oh, toi, t'es une sérieuse Nouvelle Semaine. C'est bien. C'est important, l'actualité. Ouais, ouais, ouais. Moi, je ne vais pas les nommer. Ouais. Mais ils sont nationaux et internationaux. Pourquoi tu ne veux pas les nommer ? Parce qu'il y en a trop. Il y en a trop ? On n'a pas le temps. Bon. Alors Inès et son studio Mode et Beauté nous apprend l'art de l'effeuillage et de la pole dance. Tout de suite, le reportage lors d'une soirée de folie. Ah, alors je crois qu'on a un petit problème. Est-ce que tu crois que Zébriste, on va pouvoir le remettre ou pas du tout ? Zébriste, dès que le petit reportage est bien, alors toi, c'est incroyable. Là, pourquoi avoir eu cette idée, Inès ? Alors, ça vient surtout d'une demande des filles, en fait. Simplement, ouais. On a eu... voilà, j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de femmes au cours de mes activités. Et au fur et à mesure, en discutant avec elles, puisque bon, quand on prend le temps vraiment de s'asseoir et de discuter entre nous, on apprend beaucoup de choses. Tout à fait. Et effectivement, il y a une petite envie de se faire plaisir avant tout, mais aussi de faire plaisir à son conjoint. À son conjoint. Voilà, donc l'idée de l'effeuillage est partie comme ça, tout à fait. Et alors, c'est quel style de femme, tes élèves ? Ah, j'ai vraiment toutes sortes de... Toutes sortes j'ai pas de style, il n'y a pas de stéréotype, vraiment pas. Ah oui ? Non, on a vraiment toutes sortes de femmes. Bon, après, ce sont quand même des femmes d'âge mûr, ou en tout cas qui sont en couple. Oui. Depuis un certain temps, on n'est pas en couple depuis 3 semaines et on ne va pas essayer l'effeuillage, je pense. Mais voilà, ce sont des femmes qui sont bien installées dans leur féminité aussi, et puis dans leur couple, et puis elles se prêtent vraiment au jeu sans aucun problème. Et pourquoi elles le font alors ? Ben, comme je disais tout à l'heure, il y a deux paramètres. Je dirais que le paramètre principal, elles nous l'avouent, c'est quand même pour se faire plaisir. Plus que pour faire plaisir à leur chérie. Ben, tu sais, prendre le temps de t'effeuiller, de prendre le temps de te regarder dans le miroir, découvrir que finalement tu as un potentiel énorme. Et c'est surtout pour toi. Ouais. Tu te dis, bah, finalement, voilà. Oui, je veux dire, à la limite, on s'aime, on se trouve belle. On se trouve belle et puis on gagne en confiance, tout simplement. On gagne en confiance en soi et tout ça. C'est mieux que d'aller voir un psy, finalement. C'est une vraie thérapie. C'est une vraie thérapie, les feuillages. Sincèrement, c'est une vraie thérapie parce que, bon, tu sais, tu fais face au miroir, on est toutes les mêmes. On se regarde devant le miroir, en plus, on est toutes en lingerie et... Voilà, bon, même si on est paré de petits accessoires comme des gants, des boas, des bas, des porte-jartelles, etc. Tout comme ça, on est 4-5 dans le cours et puis toutes comme habillées comme ça, tout d'un coup on se dit ok, bon ben on est toutes les mêmes, j'ai envie de dire que la cellulite est la bienvenue, quoi, parce qu'on est toutes, voilà, on est toutes ni les plus, mêmes. Ni moins, non, voilà, ni plus ni moins, voilà. Et donc déjà, il y a une petite barrière à franchir. Une fois que cette barrière-là est franchie, on se rend compte que voilà, quoi, on arrive à faire plein de choses, on a un potentiel énorme et unique, finalement. Donc c'est pas dur, alors, en fin de compte, tu veux dire que t'es surprise des femmes qui d'un seul coup se mettent à se déshabiller? Ah, complètement, parce que c'est absolument pas dur de s'effeuiller, ça s'apprend, il y a des codes dans la féminité, de toute façon ça s'apprend, et voilà, une fois que c'est appris et que c'est acquis, Peut-être que le fait d'être encadré aussi par des professionnels, voilà, ça rassure peut-être. C'est tout à fait aussi, ça. Au lieu de se dire, on fait ça dans la salle de bain, ça. Oui, on essaie ça vite fait. Il y a des codes, il n'y a pas le même rendu. Voilà, alors, c'est quoi les codes ? Alors, déjà, je tiens à préciser que ce n'est pas moi qui donne le cours. J'aurais bien voulu. Oui, mais tu regardes de temps en temps. Je regarde de temps en temps, je prends beaucoup de notes, je l'avoue. Et donc, voilà, j'ai oublié ta question. C'est quoi les codes de l'effeuillage ? Voilà, les codes de l'effeuillage, c'est à peu près les codes qui régissent vraiment tout ce qu'on peut connaître, quoi. En l'occurrence, les codes de l'effeuillage, ce sera
se tenir droite. Oui, c'est vrai que déjà qu'on se tient droite, ça change tout. Parce qu'on est souvent courbé, on est souvent, parce qu'on a, parce qu'il y a des filles qui ont certains complexes et tout, donc c'est se tenir droite, s'apprécier, savoir se regarder en fait dans le miroir, oui, et puis... et apprendre tout simplement à agir avec douceur, lenteur, ce qui est très important parce que quand on se bien sûr quand on se déshabille, ce qui est beau c'est quand ça met du temps, quand ça prend du temps parce que tout est dans la suggestion au niveau des feuillages. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'on est vraiment dans la suggestion, dans le jeu de rôle. Voilà, on n'est plus la même, on est pareil comme je disais d'accessoires, on n'est plus la même, et à partir du temps et apprendre à le faire avec vraiment passion, avec patience, délicatesse et sensualité, évidemment. Yes, évidemment, oui. Et en combien de temps on est top? Alors, on peut être top en un cours, c'est-à-dire que si là on fait un cours tout de suite, voilà, ce soir pour la Saint-Valentin, on est OP. Wow. Après, voilà. Les filles, voilà, c'est assez intéressant. Ouais, après, voilà, il y a des filles qui cherchent tout simplement à approfondir parce que, bon, voilà, elles ont envie de voilà, approfondir leur connaissance, tout à fait, et puis se dire que, tiens, j'ai une musique qui me plaît bien, mm-hmm. essayer d'apprendre à m'éveiller sur ce type de musique. Par contre, ça plaît à mon partenaire, par exemple, donc elles vont travailler là-dessus. Ça va prendre un petit peu plus de temps, mais on n'est pas sur des mois de travail. Et puis, naturellement, nous sommes toutes des effeuilleuses. Hein. Ça, c'est... Ah, est-ce qu'il ah. Oui, elle a dit, Natacha. on a tout ce truc, bien sûr. Ah, bah, c'est très joli de se déshabiller, c'est vrai. Est-ce qu'il y a une égérie de l'effeuillage à ton goût ? Il y en a des tas, mais on va dire que la belle fille, l'actrice, je sais plus comment, brune, là, qui fait très année. Savanti. Voilà, j'arrive jamais à dire son nom. Parce qu'elle, on dirait vraiment une pin-up. Mais c'est justement les feuillages, exactement c'est ça. C'est la pin-up. C'est la pin-up. La pin-up des années 50. Voilà, on se sert de ces codes-là. On n'est plus du tout dans le striptease vulgaire qu'on va voir partout. On peut voir. Non, on n'est plus là-dessus. On est vraiment sur des techniques d'effeuillage. Sexy, glamour, sensuel, lent surtout, parce que voilà, on est vraiment, et dans un jeu de rôle, comme je dis, c'est un jeu de rôle, c'est un échange, et en aucun cas on est sur de la vulgarité. Et ça, on se bat quotidiennement avec tout le monde pour expliquer qu'on n'est pas, donc on ne fait rien de mal déjà. Oui. Mais c'est surtout qu'on, voilà, on se bat contre les codes de la vulgarité. Nous, on est sur les codes de la féminité, ce qui est le plus super. Important pour nous. Absolument. Oui, la suggestion, le côté sexy. Voilà. Si on découvre tout, si on est vulgaire d'un coup et puis qu'on montre tout d'un coup et que il y a plus de plaisir, il y a plus la notion de voilà, il y a plus de suspense. La découverte. Et plus on prend le temps de découvrir et plus c'est. Plus c'est agréable. Alors Inès, on va te laisser un instant, on va aller vers Natacha, parce qu'on est en train de rembobiner, d'essayer d'arranger ton reportage qui est chaud, chaud, chaud. Donc alors, Natacha, tu chantes l'amour, comme ton nom l'indique, et d'ailleurs on peut tous se souhaiter bon anniversaire. Merci. Parce que s'appeler Natacha Coeur, être née un 14 février, ça fait quand même très fort. Beaucoup. Donc, comme ton nom l'indique, hein, oui. Tu chantes l'amour, oui. Tu es une femme à multiples talents, chanteuse, poétesse. Le reportage avec Natacha Coeur lors de ses répétitions, c'est tout de suite.